Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Pour les fêtes de fin d'année ou simplement un dîner, je vous propose une recette simple et raffinée. Il s'agit de pavés de saumon grillés à la poêle. Comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, j'ai pris un saumon entier qui était en promotion au magasin. J'ai découpé en tranches, j'ai nettoyé, ensuite j'ai réalisé les pavés de saumon. Là, j'ai prévu du poivron rouge et jaune avec des oignons pour la décoration, une botte de carottes que je ferai revenir à la poêle pour l'accompagner, un coulis que j'ai réalisé moi-même dont la recette vous sera présentée dans une prochaine vidéo, du sel. Sans plus tarder, nous allons passer à la cuisson. Je vais allumer le feu. Je vais mettre l'huile dans la poêle. Ensuite, je vais venir poser les pavés de saumon. Je vais rajouter du sel. Nos pavés sont cuits. Maintenant, je vais les sortir de la poêle. Ils sont bien dorés. On passe à la suite. Assurer au minimum puis après alors là nous avons opté pour une cuisson à point et nous on sera content de le constater, notre saumon est bien doré. Vous voyez, il est bien cuit à l'intérieur. Maintenant, nous allons le sortir de la poêle. Ce que je fais, je vais venir ajouter une pincée de sel. Thank you.
Donc après à peu près 5 minutes de cuisson, je vais sortir la boîte de carottes de la poêle. Maintenant, je vais vous montrer comment présenter un plat prêt à être servi pour épater vos convives. Dans un premier temps, je vais étaler mon coulis dans l'assiette. Je vais venir poser les cas, les poivrons et oignons. Pour les gourmands, je vais mettre 2 morceaux de saumon. Et ensuite, poser notre botte de carottes. Notre plat est prêt à être servi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager nos vidéos. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce plat. Je vous dis merci et à très bientôt sur notre chaîne. Notre saumon peut aussi être accompagné avec du riz. Donc là, j'ai mis, je vous mets le riz. Voilà. De quoi épater vos convives.